Et bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce let's play avec Malekith qu'on avait laissé aux frontières de Kate, donc dans les petites îles où on avait pris, alors pas pris totalement notre vengeance puisque malheureusement on n'avait pas encore pu affronter l'armée de Nakai, mais en tout cas l'honneur était quasiment sauf puisque déjà la ville de Fusho qui nous avait été prise par Nakai. Eh bien, on l'a récupéré, on l'a donné à Lokir, et nous, on est en train de s'installer au sud. Donc, pour l'instant, on fait pas trop de bruit, on arrive tranquillement, et après, on fonce sur Kate. Alors, Kate qui a pas l'air non plus d'être ni les provinces de l'ouest, ni les provinces du nord. Non, pour le moment. Et en plus, regardez, Village qui est ici en personne. Alors, Village qui nous aime pas, une petite aversion avec Village, hein, c'est pas grand chose. Effectivement, c'est. Ouais, donc j'allais dire domaine de Slaanesh, mais non, c'est domaine de Tzinch. Donc il pourrait y avoir une petite aversion, effectivement. Et on a ici. Ben voilà, regardez, hein, Lokir qui est vraiment en train d'avancer sur les terres kataïennes. Et même le. Oh là, mais même Nakai, en fait. Hein, Nakai est allé jusqu'ici. Et ouais, on voit que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Port Anyu, qui est la capitale de la des provinces de l'Ouest, et que niveau 1. Donc ouais, il n'y a pas trop d'adversité en KT, chose qu'on aurait pu, tour 85, il y a quand même pas mal de let's play où KT domine, bah on n'aura pas de... Bah pour l'instant, en tout cas, KT ne sera pas une énorme menace. Côté nord, et l'isolation chaotique du nord, on a toujours Sigvald qui est en train de se reconstituer à la forteresse des damnés avec ses deux armées. Même si, pour le moment, Elbron avait bien sécurisé et on a Malus qui, donc, automatiquement, est en train d'assiéger la tour argentée des sorciers avec son armée de départ, qu'il n'a pas encore spécialement amélioré. Ça aussi, tour 85. Bon, ok, on a du rang, j'allais dire du rang gold ici, mais on a du rang de bronze ici. Il y a un moment donné aussi, il faut savoir bien se positionner et pouvoir aussi, pourquoi pas, avoir des bâtiments un peu plus sympas et des armées un peu plus sympas. Bon, là, il y a une méduse, c'est déjà un peu mieux. Malheureusement, Trog est en train d'envahir le côté est de Malus. Malheureusement, c'est nous qui avons demandé à Malus hein, de venir défoncer Sigvald. Et entre nous, je pense que c'est la bonne solution, quitte à ce qu'il perde ici pour y remonter plus tard. Et on l'aidera peut-être à ça. Objectif de cet épisode, c'était l'objectif aussi du dernier épisode, ça va être de récupérer Nagarit, d'annihiler plutôt la faction de Nagarit. Pour ça, on a notre armée de Shakara qui est ici, qui elle, pareil, nécessiterait, bon je critique l'armée de Malus, mais en fait l'armée de Shakara, bon bah il y a du rang gold, on est quand même sur des unités de bâtière. On avait re-recruté une arche ici pour le moment, qui ne pouvait pas d'ailleurs se servir de mémoire du recrutement de Nagaronde. Alors peut-être que je l'avais mal positionné, non. Elle pouvait pas, on a pas mal d'unités de renom disponibles, mais pour l'instant on s'en fout. On est toujours potes et alliés défensifs avec les exilés de Neek qui s'en sortent plutôt pas mal, même s'ils sont en guerre contre Morati, les sorts du crépuscule également. Et on a l'armée, voilà, c'est ça où il fallait faire attention, on a l'armée d'Alariel. Alors c'est pas Alariel en personne, c'est Shield qui est ici. Mais attention à cela, j'aimerais quand même donc raser si possible un ennemi dans cet épisode. Notamment à Lithanar. Donc, on va passer le tour, ma foi, comme d'habitude. On a pas mal d'esclaves aussi. On a un peu de caillasse. On est en train de passer Nagaronde niveau 5 aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, on va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, les provinces du Nord ont quand même... oui, donc, il y a Maoing qui est toujours là, qui doit, elle, peut-être, sûrement toujours avoir sa capitale. Qui revient défendre sa position. Ah ouais, d'accord, parce qu'il y a Lokir contre Miaoying, ça va être un affrontement qu'on va voir au prochain tour, je pense. Les provinces du Nord qui essayent de, on va dire, de porter main forte à Averland. C'est intéressant de savoir ce qu'ils vont faire. Donc là, ouais, ça va sur la clairière pervertie, ça va prendre de l'attrition. Je sais pas s'ils sont en guerre contre... Ils ont pas l'air... Ah, il y a deux armées d'Averland, ça c'est intéressant à savoir. Hein. Sachant qu'il n'y a pas l'armée d'Alariel en plus dans tout ça. On avait vaincu Alitana le dernier épisode. Donc là normalement nos alliés devraient pouvoir aussi déjà récupérer la chapelle de l'Adriel. Et puis essayer éventuellement de nous aider à récupérer les terres. Ça on s'en fout. Ah. Alors les esprits de la jungle, première armée, c'est pas l'air d'être celle de Nakai. Mais on a une armée, ouf, on a une armée à 18 sur 20 quand même. Donc ouais, qui est ici et peut-être en guerre contre les...
peut-être en guerre contre le Miao Ying, hein. Et contre son frère, je veux dire. Alors, qu'est-ce que veut, elle veut, voilà, on gagne une guerre, pour l'instant, non. Toujours contre le clan sceptique. Et donc, Morati qui assiège. Ouais, du coup, j'ai pas pu, ça avait bugué sur le pic des tyrans, on n'a pas pu voir ce que Malus avait fait. Ah, eux, ils vont pas défendre leur position. Ah, ils ont vraiment en tête d'aller d'aller défoncer les sœurs du crépuscule, sauf que j'ai peur qu'en résolution auto... Ah, ça par contre, ça c'est gentil, ça. De venir nous aider. Et là, ils recrutent. Donc, ok, ils se préparent à défendre quand même ici. Il y a quand même une ville goulée, hein, on peut dire ça, puisqu'elle est, elle est quand même bien protégée par les montagnes. Ok, on a Philostra qui avance, qui va sûrement prendre la pointe de l'esclavagiste. Je rappelle qu'on est allié avec Philostra. Même si la corruption vampirique ne nous fera pas spécialement du bien, et que Philostra risque de se retourner contre nous quand il n'y aura plus d'ennemis communs. Ça, ça nous intéresse. Sigvald qui ne va pas défendre... Si, aïe, ça monte. Alors, je suis pas sûr. Non, ils vont pas défendre leur position. Et du coup, la ville est toujours assiégée ici. Ah, quoique. Ah, si, ça remonte. J'ai l'impression que ça remonte défendre. Sigvald peut-être vers le bastion, et puis Samoth sur la défense de la tour. Qui est assiégée depuis quand même pas mal de petits tours. Hein. Bon, ça... Ça nous concerne pas spécialement. Ah bah si, ils ont défoncé l'armée roi des tombes qui venait. Alors ça peut être intéressant de voir aussi ce qui se passe au niveau du crawl de l'hiver. Ah, ils ont dû mettre à sac. Ouais. Et ça vient conquérir le roc noir. Grosse perte pour Malus. Et en plus, Trog il a masse armée. Et il ne reste pas statique. Va falloir qu'on aille aider notre ami Malus. Ouh, petite armée aussi du côté de Karonkar qui rigole pas, hein. Elle a une seule vie. Et ça va peut-être récupérer la chapelle. Ça la met à sac. Et ça ne la récupère pas pour l'instant. Bon. Pourtant, je leur avais demandé de l'occuper. Peut-être le prochain tour, elle est peut-être pas à la range pour faire les deux. Ok, donc déjà... Ah, j'ai quoi, une confédération, les provinces du Nord et les gardiens impériaux. Donc ça va peut-être... ouais, les provinces du Nord vont reprendre un peu en rang de force, mais je suis pas sûr que ça suffise face à l'armada de Lokir. Lokir, mais regardez-moi ça, il a vraiment... il a vraiment tout explosé. Hein. Malekith. Allez, Malekith vers Shi'u. Victoire décisive. On occupe comme d'habitude, récupère les esclaves et on sécurise notre province. Il va y avoir une rébellion. L'avantage c'est que la rébellion elle est à Shi'u, donc on va l'attendre. On va se mettre un petit bâtiment de croissance quand même, comme on a une ville majeure. Notre première ville majeure sur le continent, hein, de KT. Donc ça c'est assez intéressant. On peut aller chercher. Alors ça peut être pas mal. Bon, c'est peut-être pas la priorité tout de suite. Par contre, on a des sombres traits. Rang gold qu'on va peut-être garder quand même un petit peu. Est-ce qu'il y a de quoi booster les sombres traits ici? Portée. Non, il n'y a pas les sombres traits. Hein. La puissance des tirs, plus 12% pour les sombres traits et balistes. Et en vrai, 4 sombres traits rang gold. Ça booste aussi les tristes lames, on en a un petit. Les affrelances, on en a un petit peu. On n'a pas de balistes par contre. Mais ça peut être intéressant d'aller chercher ouais, puissance des tirs et résistance puissance des tirs et armure, je veux dire, pour les sombres traits. Ça nous booste les 4 là. Hein. Puissance des tirs à 29, perce armure maintenant, ça va commencer à envoyer hein, le sombre trait. Ok, Shakara. Shakara, elle est reconstituée ici. Ah, peut-être que c'est le clan Skaven qui a récupéré les monolithes. Nous, de toute façon, on va y aller. Alaria, elle est encore un petit peu loin. Par contre, la clairière du venin, j'ai une garnison, mais elle résistera pas. Ah, et en plus, à Clarcarond, il va y avoir une rébellion. Ouais, eux, ils ont pour but d'aller péter l'arbre. Avec un coup de chance, ils vont péter la rébellion aussi. Ça serait plutôt pas mal. Là, malheureusement, je peux rien faire de spécial. Éventuellement, recruter des lanciers, ça pourrait être pas mal. On a 6000 de thunes après, hein, 6000 de thunes. Est-ce qu'on pourrait pas se permettre de mettre une armée à Clarcarond?
forcer la rébellion à attaquer, ça pourrait être intéressant, même si on se fait pas grand chose. On se prend une petite sorcière suprême, histoire d'avoir un peu de magie. Commandement et attaque en mêlée des unités dans l'armée, toujours intéressant. Elle est niveau 3, on va lui prendre donc le buveur d'esprit, un dévoreur d'âme, ça peut toujours être intéressant. Et on va lui mettre pour l'instant uniquement des affrelances. Par contre, on pourra éventuellement aussi lui mettre pas mal d'unités de renom. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera le prochain tour, je pense. Là, s'ils attaquent maintenant, la rébellion vient de pop, je suis pas sûr que ça passe. Ce sera une petite rébellion. J'ai pas de... l'ordre public, là, par contre, ils auraient dû... Ah, si, pas si, il y a ça pour l'ordre public. Dans 4 tours. Ok. Là, on est bon, donc là, on a une rébellion. On le sait, le tour, on veut toujours pas faire ça. Par contre, ce serait peut-être pas mal qu'on améliore un peu. Comme on a un peu de caillasse et qu'on gagne 5000 par tour, ce serait quand même pas mal qu'on arrive à améliorer certains bâtiments. Stratégiquement, le nord est pas très intéressant. Il y a eux qui sont en train de... Ouais, c'est des armées de merde, donc normalement ça devrait passer. Gronde est déjà niveau 4 aussi. On a le bâtiment légendaire à Gronde. Est-ce que Argraef, on a le bâtiment légendaire aussi qui est bien, bien XP. Ici, on peut détruire ça d'ailleurs. Ça coûte 600 balles, mais c'est pas grave. Ça nous fera un slot de plus. On peut commencer à booster un peu les provinces. On peut continuer à prendre un peu de croissance un peu de partout. Hein. Là, on va améliorer pour le port. On, on a quand même pas mal de partenaires commerciaux de mémoire. Voilà, on a énormément de partenaires commerciaux. Donc, développer nos ressources commerciales, c'est pas du tout une mauvaise chose. La tour de la lumière noire, de toute façon, on peut les confédérer, je crois. Hein. On peut plus les confédérer maintenant. Je peux faire un pacte de non-agression avec Dandor et un accord commercial. Ça peut être intéressant, ça. Hop. Un petit partenaire commercial de plus. Des ogres. D'ailleurs, il faudrait que je regarde s'il n'y a pas un camp d'ogres. Parce que si Grécius est toujours là et qu'il a un petit camp, en vrai, ça serait intéressant peut-être d'aller chercher des unités ogres de haut tiers. Ok, là, je peux aller booster pour avoir 6000. Pourquoi pas? Il y avait quoi ici? On va aller chercher ça. Mais j'avais pas accès, tiens par exemple, juste si je regarde rapidement là. Non, mais c'est marrant, je peux pas. Hein. En fait, c'est nul de mettre en place des... je peux pas les recruter du coup, puisque ça dépend de ma capacité. Et du coup, comme c'est toujours 0 sur 0, en fait, j'investis 6000 pour rien. Je vais quand même juste vérifier quelque chose. Permet un... J'ai le recrutement global, ouais, mais ça, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est déjà le cas. Non. Ouais. Non. Ça sert à rien. Ça leur fait une petite défense, mais... Mais autrement, ça sert à rien. Alors, ok. Ici, alors, on va prendre la croissance. Ici, on a quand même beaucoup d'esclaves qui sont consommés de manière passive. On va descendre de façon sur Daichang le prochain tour. Et là où on avait vu, on a notre arche. Y a pas des petits trésors à aller chercher là-dedans? Ouais, il y a un petit trésor à aller chercher le prochain tour, ça va être sympa. Et ici, à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, on aura les meilleures améliorations. Et je peux même peut-être aller chercher ça pour avoir les méduses. Ça coûte rien, les arches. C'est vraiment une tuerie. Mince, j'ai oublié de mettre l'avance. Ah ouais, j'ai oublié de mettre l'avance normale. Tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ali Tanar est en train de rester statique. Les noyés, bon bah on va espérer qu'ils prennent la pointe de l'esclavagiste. Donc il n'y a pas grand chose à voir de ce côté. Eux on s'en fout un peu aussi, pour l'instant en tout cas. Putain mais ils ont Kiang aussi. Non mais Nakai c'est l'ennemi de la campagne. Culte du plaisir, on s'en fout un petit peu aussi. Je pense qu'ils vont prendre le pic du tyran. Même pas, ils assiègent. Argraef, alors ça nous intéresse un peu plus déjà. Ok, donc eux, lui vient défendre les tours difformes. Et on n'a pas vu ce qui s'était passé de l'autre côté. Rejoindre la guerre contre Morati, non. Ah, ça par contre, ça nous intéresse aussi. Oh les... Ah non, j'ai cru que c'était... faut que... Ils viennent nous aider par contre, hein, le... L'armée, voilà. Ici, faut que tu viennes nous aider... Non, c'est pas celle-ci.
C'est celle qui est en haut là-bas. Voilà. Toi, faut que tu viennes m'aider là. Bon. Pour l'instant, il vient pas m'aider. Et eux, ils se barrent. Bon, pourquoi pas. Ah, les noyés, ça nous intéresse, ça, par contre, fortement. Faut que les noyés aillent chercher la pointe de l'esclavagiste, là. Ok, déjà, ils vont défoncer l'armée. On n'est pas appelé parce que, du coup, ils ont fui. Ah, ils ont pas la portée pour y revenir. Nous, on ira rechoper la chapelle, de toute façon, là. Bah, par contre, ils sont restés statiques. Ils veulent pas prendre la pointe de l'esclavagiste. Ils devaient être codés pour pas récupérer... Alors... Ok, déjà, Malus, on l'a pas vu, regardez. Malus a récupéré la ville principale de Lost Décadent. Et là, du coup, regardez l'armée de Sigval qui était à 20 sur 20, ou je sais plus si c'était celle de Samoth. Déjà, économiquement, on le sent, ils ont dû fusionner des unités. Là, ça remonte. Malheureusement, ça va être trop tard pour vous. Puisque Malus a toujours son armée full. Et ça, c'est une bonne chose qui vient de se passer. Ah! Victoire décisive. Ah mais non, on refuse d'attaquer. On refuse d'attaquer. On recrute tranquillement. Allez. On va aller donner quelques ordres supplémentaires maintenant à Malus qu'il a pris sa... Maintenant qu'il a récupéré sa province. Ça nous transporte d'un côté de la carte. Hein. Voilà, un allié attaque une colonie. Donc ça c'est très bien. Et maintenant que tu l'as attaqué... Elle est où? Bah t'es où? Bah t'es là-bas. Maintenant tu vas aller me... Tu vas aller... Ah putain, il y a eux qui reviennent aussi. Ah, ils l'ont récupéré niveau 3 quand même, ça leur met un bon bastion ici. Hein. À la limite, commence à aller attaquer Infernus. Infernus, c'est une ville... Ah, il est pas en guerre contre eux. Ok. Ok, ok, bah écoute, hein. Forteresse des damnés, hein, mon petit Malus. Hein. Il a rien pris de dégâts. On a la corruption de Sinch qui va arriver sur les provinces. Comme je l'ai dit, il va perdre son territoire, c'est pas grave. Regardez la Norska qui est en train de balayer l'ouest, de balayer l'est. On va faire une frontière ici et c'est Elbron. Elbron, t'es où en fait? Tes armées, elles sont toutes défoncées ou... Elle est là, Elbron. Ah, il commence à avoir des armées un peu plus intéressantes. Toi, tu vas défendre la cible ici. Ah, je peux... Pourquoi je peux pas lui dire d'aller défendre... Je peux pas lui dire d'aller défendre sa propre ville. Bon. Et bon, on va lui dire d'aller attaquer... Elle se rapprochera automatiquement d'aller attaquer là-bas. Allez, Malekith. Malekith, Malekith, on va traverser la mer tranquillement. Il n'y a personne. On va se mettre en mode embuscade quand même, au cas où. Voilà. Ici, petit trésor. Avec un coup de chance, ça fera un peu de thunes supplémentaires encore. Ah, voilà, une petite bataille. Déjà XP. Victoire décisive. 4000 de thunes, 427 esclaves. Et on n'en aura pas eu beaucoup de thunes. Ah, 6000 quand même. Ah si, on est passé à 21 000, ouais, j'avais pas vu. Ah super. Alors. Qu'est-ce qu'on va lui prendre à lui? Lui, on peut lui prendre l'attaque en mêlée pour la garde noire et les exécuteurs, comme il a que ça. Enfin, il en a beaucoup. Est-ce qu'on prendra la Sea Line ici? Peut-être par la suite, mais pas pour l'instant. Là, on est plutôt bien. Voilà, on va passer ça à niveau 2. L'avantage d'avoir 18 000 de thunes, c'est que... Alors oui, il va y avoir une rébellion. Il va y avoir une rébellion le prochain tour. Ouais, on va récupérer ça, puis on ira mater la rébellion après. Je pense pas qu'il puisse, détruire la ville tout de suite. Shakara. Eh ben, Shakara... Comme par hasard, j'ai pas la range pour ça. Par contre, eux, ils sont en mode embuscade ou... Non. On se rapproche tranquillement. J'aurais pu me mettre d'ailleurs... Ouais, plutôt comme ça, en mode... Oui, d'accord, ok. Donc, de toute façon, il faut bien que je sois à 20 sur 20, puisqu'il y a l'armée qui arrive ici. Ensuite. Là, ça veut pas... Je suis bien en mode... Ah non, moi aussi, je suis en mode effroyable expansion. Alors attends, est-ce que le mode Affreux Expansion, il est peut-être pas mieux en mer du coup? Non, ça augmente pas la croissance. C'est pas grave, on va continuer ici. Bah là, le problème, c'est qu'il faudrait que je recrute éventuellement un autre seigneur. Bon, eux, ils vont attaquer normalement le prochain tour. Alors, avec des chiens, ça devrait aller.
Et donc là, on a commencé voilà, à recruter. Donc ça, c'est plutôt ok. Et on a dit qu'on allait faire ça. Ça. Voilà. Reconstitution esclave. Ensuite, ça. On peut pas. On n'aura pas la portée. On n'aura pas la portée, donc on va reculer. Elle a pris des niveaux, donc on va lui continuer à la booster un petit peu du côté magie. Et on va lui prendre ça. Les noyers, faudrait que je regarde ce que je peux recruter aussi. Ça pourrait être intéressant d'aller les chercher le prochain tour. Clark Aron donc est en train de upgrader. Alors attends, ouais, si ça je peux aussi, ça sera peut-être pas mal. Éventuellement si on a des remontées d'armée. Et en vrai le mieux ça serait que je mette une armée parce que là il faudrait que j'ai le bâtiment pour les dragons noirs et pour les méduses et les hydres etc. Ouais, faut quand même que je le mette celui-là, 4 tours. Comme ça on pourra recruter des choses un peu plus sympas. Toi, bah toi tu vas continuer là-bas, t'avais été assassiné mon pauvre. Ok, bon je pense pas que ça serve à quelque chose d'améliorer tout ça ici. On va plutôt améliorer les bâtiments de thunes. On est quand même bien protégé et Alitanar pourra plus trop nous raid. Ok, donc normalement c'est bon. Allez c'est parti. Alors. Hop. Merde, putain, excusez-moi, je regardais à côté et on n'a rien vu. Les noyés, alors est-ce que les noyés... Mais les noyés, on leur a pas dit d'aller à la pointe d'esclavage, donc ces abrutis qui vont pas le faire. Donc ça, c'est par contre, c'est assez, assez chiant. Voilà. Ah, ils sont chiants là. Hein. C'est fou, ça. Personne vient récupérer. Et l'IA est vraiment codée comme une... On est en légendaire, hein, je vous rappelle, les gars. Ok, donc Sigvald, comme convenu, il va bien au bastion des fragments. Il le défonce. Dans le petit géant du chaos de... Et lui, il va monter, et Malus est parti, alors que Malus, je lui avais dit de rester. En fait, je pense qu'il s'en fout de mes ordres, il veut défendre ses provinces face à la Norska, il voit toutes ses provinces qui sont en train de se faire défoncer, Malus. Vilich. Voilà, Vilich, il a fait une orgie à Wajin. Rejoindre la guerre contre Septica, mais ils sont en guerre aussi contre Septic. Alors, loyauté plus 1 pour Shakara. Bah, on va prendre ça, hein. Oh, la dague, elle est jolie, hein. Moins 3000 de trésor, en vrai, ça se tente, hein. Fait main, attaque en mêlée plus 5 parmi les attaques empoisonnées, puissance d'armes plus 3% et dégâts d'armes plus 90% pendant 40 secondes. Votre seigneur a été pris à passer une commande secrète auprès d'un forgeron de la cour pour créer une dague sublime imprégnée de malédiction. Il n'y a pas de problème de loyauté, normalement on est repassé assez... On va prendre, couper la gorge du forgeron. Désolé Shakara, mais... L'arme a l'air quand même plutôt sympa. C'est quoi ça? C'est une rébellion? Ah oui, c'est une rébellion. J'avais pas vu qu'il y en ait une rébellion à Nagard. Bon, normalement, ça devrait passer. Quoiqu'il y a des ombres, etc. On va peut-être plutôt se mettre à l'intérieur. Voilà. Ok, donc là, par contre, c'est très bien. On vient d'avoir un slot de recrutement supplémentaire. Donc, on va continuer notre recrutement. Moi, si je peux en prendre qu'un, c'est pas grave. Voilà. Et ici, déjà, au moins, c'est un peu mieux. Alors... Clair de venin, j'ai une petite garnison. En vrai, avec ça, ça se tente largement. Ah, ils sont pas en guerre contre eux. Est-ce que c'est possible de vous remettre en guerre, là? Rejoindre la guerre contre Averlorn. Ouais, moins 22 quand même. Un peu compliqué. Nous, on va pas s'occuper d'Alariel pour l'instant. On va plutôt faire ça.
Hop. Voilà, on se refait un peu des esclaves encore. Passons à l'Ariel, elle a dû monter, voilà, une deuxième armée ici, mais bon. Ils sont en train de prendre tellement d'attrition que... ok, nickel. Toi. Tu vas attaquer la cible. Enfin, tu vas pas l'attaquer, tu vas l'occuper. Nous, on ira chercher 40k. Petit trésor aussi ici. Toi, tu continues à monter. Temple de Kane. Ici, on peut se faire un petit bâtiment. Bah, tiens, un petit bâtiment pour générer des cages exotiques. Ça se vend combien, ça, les cages exotiques? En production. J'en produis pas, en plus. Animaux exotiques. 12. Bah, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Ok, donc ça, c'est plutôt ok. Encore une rébellion. Argraef. Bon, Argraef aussi, on a de quoi la défendre. En plus, on a l'avant-poste... On a des échus à petits dans la garnison. C'est plutôt ok. Hop, tête enflammée. Alors, du coup. Donc là, ça c'est la rébellion qui n'a rien fait. Donc nous, déjà, on avait dit ça. On continue à piller, à occuper. Portée de déplacement, plus 10%. Bon, c'est parfait ça, mon petit Malikit. Toi, tu remontes un peu. Et donc Malikit, le prochain tour, on ira là-bas. Malikit, ça va être pas mal que je te donne aussi des boosts de magie quand même. Même si t'as une sorcière dans ton armée, on sait jamais. Là, ça on va répa. Et on va y donner à la tour de la lumière noire. Là, on répa aussi. Et la tour d'Achung est ici. Et là, ma garnison est dans quel état? Ouais, elle est quand même... Ok, elle est XP. Ok, en vrai ça se fait. En vrai je pourrais créer un seigneur là. Et le prochain tour lui donner tout... Oh, j'ai tellement prendre cher en entretien. Les gardes noirs de Nagaronde dans l'arche, ça me coûte 7 d'entretien. 8 d'entretien pour les autres. Alors que si je donnais une armée, j'ai passé à moins je sais pas combien. Bah après ça me permettrait de me défendre un peu, éventuellement de lui donner un peu de troupes quand même. Petite sorcière encore. Magie de l'ombre, j'ai quand même bien envie d'avoir un peu de magie de l'ombre. Miasme, pendule. Ah oui, et en plus, du coup, je peux recruter avec ça. Plutôt que d'aller me délester, il faudrait que je prenne des trucs en un tour qui pourraient me servir. Bah, de toute façon, ça va être ça. Hein. Puisque je vais être sur des murailles, en plus, j'aurai les bombardements améliorés. Sauf sur celui-ci. Ah, ça peut être intéressant. Et c'est toujours Enkari. Putain, c'est Enkari qui a l'épée de Kaino, dis donc. Une carrière qui bouge pas trop malheureusement, qui a été codée aussi pour rester un peu trop statique. Ok. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre, hein. Il y aura peut-être une petite bataille à faire ici. J'ai combien en garnison à la clairière? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 de garnison, on est 23. On est quand même dans la ville. Après ça dépend ce qu'ils ont, hein. S'ils ont full phoenix, full dragon, on va se faire laver le fion. S'ils ont pas tout ça, il y a moyen qu'on fasse quelque chose. La province du Nord, on s'en tape un peu le cul. Ça, c'est chiant qu'on puisse passer. En fait, je vais faire ça. Pour l'instant, ça, on va mettre 100 et 100. Voilà. Non ! Bon, tant pis. Tant pis, allez, on passe tout là. Là, on regarde plus rien sauf Argraef, parce qu'Argraef, c'est Argraef quand même. On va voir s'ils arrivent à se défendre contre Trog maintenant qu'ils ont... Bon d'accord, ok. Ils vont défendre plutôt la tour. Et c'est Malus qui va... Ouais, Malus. Oh Malus, putain, il a pris cher. Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit Malus?
Je pense qu'économiquement, il a dû prendre tellement cher économiquement, le pauvre. Bon, Elbron, faut que tu bouges ton fion, là, hein, par contre. Hein. Oh, putain, eux, ils s'en sont fait éclater, aussi. Putain, les rois des tombes, ça vaut rien. Hein. Ah, par contre, j'ai rien dit. Ils ont quand même pris la forêt d'Araim, donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vu... On n'a pas vu notre ami... Notre ami Katep. Ah, fait chier, quoi, hein, Trog, putain. On va faire un point de diplo, quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un point de diplo. Eux, ils se sont rapprochés ici, ok. Bon, là, on a une autre rébellion. Rébellion de partout. T'es mobilisé contre cette armée. Ouais, c'est bien, il les a donnés au Mung. Donc, bon, après, elle est en train de recruter Elbron. Par contre... Ouais, va falloir buter parce que si Elbron devient une vassale de... Il y a un monde où c'est possible. Hein. Ah putain, Sigvald qui va remonter. Qu'est-ce que tu vas faire, Malus, contre deux armées full de Trog? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Va attaquer Sigvald, c'est Sigvald qu'il faut buter. Et Elbron aussi, bouge ton fion là, bouge. Oh là là, regardez-moi Trog. Il est remonté, il a tout pris. Voilà, on y a bien codé. Bon, on est au 89. Mais au moins, il reste pas statique. Alors. Non, oh, bah alors lui, on s'en fout un peu. Ah bah voilà, ils assiègent enfin. On leur dit d'assiéger quoi. Bah par contre, je peux pas passer. C'est quoi ce... Ah, je peux pas passer parce que c'est assiégé par... J'ai pas d'accès militaire avec eux. Ou alors il faut que la pointe de Sclavis soit... Bon, écoutez, on va se mettre là. Oh, oh, oh. Enfoiré, va. Bon, bah écoute, hein, j'ai pas le choix. Ok. Bon, écoute, hein. On va prendre des... on va prendre... Ça c'est ce qui va faire toute la diff. Hein. Ça va faire toute la diff. Allez, Malekith. Donc Malekith, il y a deux écoles. Il y a l'école où je reviens défendre ici, mais du coup je pense pas en avoir spécialement besoin. Puisque ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'avancer. On va aller... Ah oh, putain. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. On va faire... Putain, attention à notre thune. Oh, ça va. Ça va, ça va. Je vais mettre en mode marche. Ah, elle peut pas... Ah, si, c'est bon. Voilà, comme ça, le prochain tour, je suis sûr qu'avec 12 sur 20, plus l'armée que je viens de lui donner, même si eux, ils passent à 15 avec ça, normalement, elle devrait pouvoir largement s'en sortir. Et nous, on reste encore positif. On va se mettre à 29% ici. Toujours à la recherche de Nakai. 3000 de temps. On va garder un peu notre trésorerie. Éventuellement, ce qu'on va faire, c'est que c'est vrai que je l'utilise pas assez. Et je pense que je fais beaucoup d'erreurs. C'est que j'utilise pas assez les mécanismes de. Ah, donc ça, c'est intéressant. Victoire de justesse. Voilà, merci pour les esclaves. Et maintenant, je peux passer l'hôtel de Jintinten au niveau 4. Donc, ça, c'est très bien, ça, par contre. On est bon là-dessus. J'aurais dû faire le plus 20 ici, mais bon, c'est pas grave, c'est pareil, ça va passer largement. Là, le problème, c'est qu'il faudrait que je recrute encore, mais bon, on n'a pas le temps. Ça, j'ai donc la Claire de Ladriel. Ah oui, je peux les confédérer. Maintenant, je peux les confédérer, et peut-être que ce serait une bonne chose, en vrai. Hein. Ils ont une belle ville, et ils servent à rien. Bah, go. Par contre, il va falloir qu'on dégage ces armées. Ah, en plus, il y avait la Chakara. Alors ça m'emmerde un peu. Par contre, elle a zéro de loyauté. Oh putain. Oh non, elle a zéro de loyauté. Oh. C'est abusé ça par contre. Les unités ne peuvent être dissoutes. En fait, la seule chose que je peux faire, c'est l'envoyer loin. Ah, je vais l'envoyer loin. Ça, c'est abusé par contre quand tu confédères. Mais ça m'avait fait déjà la même chose en début de partie avec Grande. Ouais, je peux pas récupérer ces unités quoi. Ça, c'est un peu buggé, ça. C'est un peu n'importe quoi, ça. Tu
coup, je vais me retrouver avec cette armée de merde qui va me casser les couilles. Bon, par contre, voilà, la tour de la lumière noire, elle fait plaisir. Hein. Petite garnison, petit port, économiquement, on est là. En fait, il n'y a que ça comme... Ah, et 2000, elle vaut quand même. Bon, la sorcière, déjà, tu dégages. Ah oui, ça me met pas bien du tout, en fait. Ça me met pas bien. Et ben, de toute façon, je vais être obligé d'annuler ça pour l'instant. Hein. Moins 2000. Oh putain, j'ai raté encore la rébellion imminente. Alors, rébellion imminente, l'inondation noire. Non, attends, ça c'est une rébellion qui a eu lieu. Où est la rébellion imminente? Je l'ai pas l'événement pour ça? Ok, je suis obligé de passer par... alors c'est pas par là, c'est là. Moins 67... moins 4... Ah, c'est là. Au mont de fer. Bah, mont de fer, hein. Hop! Voilà. Comme ça, on... Et les autres, c'est... Putain, regardez-moi cet ordre public de dingue, quoi. Pourtant, je suis en bonus d'autorité, en plus, ici. Et ben, go, hein! On va pas tarder à arrêter là. Nagarit. De toute façon, Nagarit, au moins, là, ça va être la fin de Nagarit. Mais par contre, ce petit bug là avec les elfes noirs, c'est assez chiant. Parce que ça veut dire que si je confédère Ah non, Elbron n'a pas de loyauté, c'est un seigneur légendaire. Donc en fait, ça me permettrait juste de récupérer les seigneurs légendaires de chaque faction. Ah, est-ce que eux ils vont récupérer la ville là? Ouais, ils vont full aller sur la pointe de l'esclavagiste. Et ça a l'air de. Oh, ils se sont fait défoncer. Ah non, ils l'ont pris. Ils l'ont prise, donc ça c'est une bonne chose. Et ça va sur le spire du chenal. Après, je verrai éventuellement pour leur échanger une colonie ou autre. Ah, on a un invité derrière moi, derrière ma tête. Alors, Sigvald, ça c'est intéressant de voir un peu ce qui va se passer. Parce que Sigvald a aussi pris cher économiquement en fait, hein, comme ils lui ont pris leur ville principale. Et ça peut permettre, et en fait il faudrait que Elbron... Oh, ça c'est intéressant ça. En fait il faudrait qu'Elbron arrive à faire quelque chose de ça. Hein. Il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose, en profiter, Sigvald est occupé, donc aller récupérer tous les territoires de son vassal. Bon là par contre ça peut faire chier ça. Bon Trog, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe, mais je pense que Malus, ouais. Bon alors déjà lui, allez hop, tu dégages. Et ensuite ça va être Malus, tu dégages. Adieu Malus, ton armée de début de partie qui était assez sympa en vrai. Hein. Voilà, il fuit, mais malheureusement... Bonne marche sur Trog, voilà. Quoique. Non, il était déjà en mode marche. Non? Ah oui, il était déjà en mode marche. Ouais, belle chance. Ok, il me déclare la guerre. C'est pas grave. C'est peut-être même mieux pour nous. Ah! Ah, bon, ça c'est pas mal. Alors, j'allais dire résolution auto. Parce que ça me pète l'armée et c'est parfait, je veux pas la gagner. Oh, par contre, ouais, ça va. On a l'armée de Chakara qui est là. On va se venger. Ça, c'est vraiment des traîtres, hein, ces Skaven. Ah oui, ils ont quand même trois armées full. Allez, hop, ça dégage. Victoire de justesse, quand même. Mettre à sac. Mettre à sac, on va pas faire les fous. On peut se mettre en mode raid, mais c'est vrai qu'ils ont deux armées encore. Alors c'est des esclaves, hein, mais ils ont la range. Vraiment, ils ont pas la range, ils sont en mode marche, là. On va juste reculer un peu, par contre... Ouais, non, mais eux, ils ont pris cher. Je suis désolé, donc du coup, je raid... ça m'oblige à raid... à raid Silostra. Elle doit pas être contente. Oh, elle aime bien qu'on la raid. Ok.
On a tellement d'ennemis communs, on a tellement fait d'actions contre des ennemis communs que... Par contre, ça pourrait m'intéresser, du coup, ma bichette, mais... Voilà. Viens les buter un peu. Toi, est-ce que tu peux venir récupérer... Voilà, Elbron va récupérer. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que j'attends. Et toi, va falloir que tu ailles buter cette armée norse. Et en vrai, si ça se passe comme ça et que Elbron vient ici, Sigvald n'aura pas le temps de souffler, concrètement. En fait, il faudrait lui prendre la forteresse des damnés qui commence à être un petit peu upgrade. Et Malus, faut que tu m'écoutes là, hein. Faut que tu ailles de ton côté défendre ta seule... En fait, c'est ta seule ville. Oh Malus, t'as plus qu'une ville. Who seeks my audience? Et je peux pas confédérer avec toi parce que j'ai déjà confédéré avec les autres. Ah oh, ça serait tellement la loose. Allez, ça vient chez nous. Tour d'Ashung. Voilà, une petite colonie majeure encore. Et Malekith, niveau 29. Alors, on avait dit quoi? Sortilège de zone se déclenche à moins 15 d'armure au lancement d'un sort. C'est parfait. Toi, tu vas prendre l'épée niveau 2. Là, on n'a pas fait un... Il faut qu'on fasse la bataille de quête. Hein. J'avais dit en plus que je crois qu'il fallait qu'on la fasse. De toute façon, on va arrêter là l'épisode, ça fait 41 minutes de vidéo. Mine de rien, on aura quand même très bien avancé. On va peut-être juste finir avec ça. Oh, j'ai pas la range. Ah si, ils sont... Ah mais si, d'accord, ok. Ok. Oh, mais même pas besoin, en fait. Oh, c'est n'importe quoi. Même pas besoin. J'ai 6000 esclaves, par contre. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. Ça va me faire de l'ordre public dans toutes les factions. Parce que vu que tout à l'heure, comme on a vu que j'étais pas bien... Hydre Renon, oh là là, ça va faire plaisir ça. Donc à la limite toi tu vas rester là et toi du coup bah tu vas continuer à explorer un peu. Alors le problème c'est que non après on va passer dans les terres qui ne sont pas. Oh il peut aller là. Oh c'est stylé ça. Il peut passer sur les chenaux ici. Et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va aller commencer à recruter des petites choses en plus quand même. Donc tu vas rester quelques tours. Maintenant qu'on a les méduses aussi, on va se faire des méduses. Voilà, on va faire ça déjà. Donc tu vas rester un peu de temps. Et toi aussi, en vrai, tu peux recruter des... Ah non, il peut pas. Ok. Donc là... Putain, la cité gelée. Ouais, les cités gelées, ils vont la prendre. Ok. Donc, Merosha. Ah, ils ont un dragon. Donc Merosha, tu restes là. Hein. Là, ça va être compliqué ce qui se passe ici aussi. En fait, ouais, putain, les clans Rictus, ils font chier parce que là, on était bien pour la fin de cet épisode. Hein. Du coup, je vais laisser ça comme ça. Ok, on va finir le tour quand même. Croissance, dépenser des esclaves de manière passive. Une sorcière, j'en ai pas besoin, donc tu dégages. Et ça, je peux rien faire. Ouais, je peux protéger Arganet. Ça pourrait être intéressant que je protège Arganet quand même. Ouais, je vais protéger Arganet directement en fait. Hein. La ville de Arganet. Ok, bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que l'épisode vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker pour m'aider au référencement puis me montrer que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Hein, donc, fin d'Alitanar. Ça fait deux épisodes que je le dis, mais on s'approche. Hein, vous voyez que ça avance. Et puis surtout, la conquête de l'Est. La conquête de l'Est qui continue. Et ça, par contre, ça fait plaisir. Toujours cet objectif de campagne qui doit arriver. Nakai. Oh, regardez. Si c'est pas beau de finir cette bataille ici. Ce let's play ici. Ouh. Oh, il va y avoir du lourd. Oh, ça va être une belle armée. Beaucoup de volants qui vont nous casser les couilles. Du Croxigor et du Croxigor sacré Rangold. Du Saurus, quasiment Rangold aussi. Du Razordon qui maintenant transperce les armures Rangold. Un Stegadon. Ouais, et on n'a pas accès à la dernière unité. Mais là, autant vous dire que je suis... En fait, je pense qu'ils arrivent tous vers moi. Ils veulent tous venir vers moi. Autant vous dire que là, il va falloir plus de gardes noirs hein, que ça.
J'ai les carabes 10, c'est vrai qu'on avait fait l'armée exprès, on a les carabes 10 et on a aussi les chevaliers sur 100 fois anti-large qu'on avait pris exprès aussi pour contrôler les arts. Je sais pas ce que vaudra cette armée contre du lézard, mais en vrai, je pense que ça va vraiment très vite tabaser. Les sorts du massacre, ça envoie du lourd. Contre du, en soutien contre toutes les unités de Saurus, ça devrait quand même croustiller les Saurus. La garde noire, c'est peut-être ce qui me laisserait d'en avoir un petit peu plus, mais à la place de quoi? Ce problème, c'est que les affrelances. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de tir en fait. Hein. Je pourrais mettre des gardes noirs à la place des affrelances. Bon, on verra ça. Ça sera une stratégie, une réflexion qu'on aura le prochain épisode. En tout cas, merci encore une fois à tous d'avoir suivi et puis à très très bientôt pour la suite.